m'appelle Sonia, j'ai 28 ans. Je suis originaire de Clichy-sous-Bois dans le 93 et la créatrice d'Isao, qui est une agence de production artistique dans les arts visuels, donc plus le street art graffiti. Isao est née parce qu'en fait, j'ai toujours été fan de peinture et j'ai jamais vraiment pu intégrer une école d'art, bah, faute de moyens. Donc il a fallu que je passe à autre chose. Et ensuite, je poursuis mes études à Londres, où je vais développer des compétences en marketing et management. En revenant en France, je réalise qu'il faut vraiment que je crée ma propre opportunité avec Isao. Chez Isao, je travaille principalement avec des artistes et des entreprises, donc des partenaires clients. Mon but, c'est d'être un peu la passerelle entre les deux. Donc d'une part, permettre aux artistes de développer leur mood board, leur catalogue, et d'autre part répondre à une demande d'une entreprise s'ils veulent embellir des espaces désavantagés. En fait, ce que ça m'apporte en tant qu'artiste de travailler avec Isao, c'est déjà d'avoir cette passerelle avec moi en tant l'artiste et donc le partenaire, et d'avoir ce côté où c'est plus direct. Il y a déjà moins d'administratifs, donc je peux tout de suite travailler sur mon domaine artistique et après directement sur le mur. Ce qui est intéressant, c'est que moi, ça m'a aidé aussi à step up, en fait, à grandir aussi. Ce mur-là, ça a été ma passerelle où je suis passé du petit mur au début du mur XL Wall, en fait, donc dans les gros murs. Être accompagné par Positif, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis inscrite donc au programme en juillet 2022. Je savais ce que je voulais faire, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Et donc voilà, ça m'a permis d'acquérir aujourd'hui 7 contrats et 4 nouveaux artistes à mon catalogue. Gagner un prix, c'est énorme, parce que ça fait un an que je travaille dans l'ombre et j'essaye vraiment de passer outre les échecs qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur. Et ça me permet aussi de me dire de regagner confiance en moi. Et c'est une reconnaissance tant pour moi, mais surtout pour les artistes, parce que c'est eux que je propose à chaque fois et c'est eux qui travaillent très très dur, qui réalisent qu'en fait leur patte artistique elle est incroyable. Aujourd'hui c'est une victoire ce prix-là et je suis vraiment très 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 contente.